Apprenons le verbe revenir en russe. Salut, Juliette, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où tu vas apprendre le verbe qui signifie en russe revenir ou retourner. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire imploré dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quels sont ces deux verbes russes qui signifient revenir ou retourner. Les verbes возвращаться et вернуться signifient en russe revenir ou retourner. Возвращаться, c'est le verbe imperfectif et вернуться, c'est l'imperfectif. Si tu veux reviser l'aspect des verbes russes, je te conseille de regarder les vidéos sur les aspects. Le lien va apparaître ici. Comme le verbe возвращаться, c'est un verbe imperfectif, on peut analyser sa conjugaison au présent. Я возвращаюсь. Я возвращаюсь. Ты возвращаешься. Ты возвращаешься. Он возвращается. Он возвращается. Она возвращается. Она возвращается. Оно возвращается. Оно возвращается. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся. Вы возвращаетесь. Вы возвращаетесь. Они возвращаются. Они возвращаются. C'était la conjugaison du verbe возвращаться, revenir au ralenti. Et maintenant, je vais la prononcer comme le russe le prononce tous les jours, c'est-à-dire un peu plus accéléré. Я возвращаюсь. Ты возвращаешься. Он, она, оно возвращается. Мы возвращаемся. Вы возвращаетесь. Они возвращаются. Comme ça. Pour apprendre plus sur le verbe russe, tu es libre de regarder mes cours intensifs qui te permettront d'apprendre à conjuguer et employer ça en verbe russe en seulement 15 jours. Si tu es intéressé, tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. C'est juste en bas. Le verbe вернуться, c'est une forme perfective et alors il ne s'emploie pas au présent. Je te propose dans ce cas-là d'analyser sa conjugaison en futur. Я вернусь. Я вернусь. Ты вернешься. Ты вернешься. Он вернется. Он вернется. Она вернется. Она вернется. Оно вернется. Оно вернется. Мы вернемся. Мы вернемся. Вы вернетесь. Вы вернетесь. Они вернутся. Они вернутся. Maintenant, je le prononce un peu plus accéléré. Я вернусь. Ты вернешься. Он вернется. Она, оно вернется. Мы вернемся. Вы вернетесь. Они вернутся. Et maintenant, je te propose d'analyser l'emploi de ces verbes. On commence par le verbe возвращаться, qui est une forme imperfective. Я возвращаюсь домой. Je reviens à la maison. Я возвращаюсь домой. Ты возвращаешься в Россию. Ты возвращаешься в Россию. Tu reviens en Russie. Ты возвращаешься в Россию. Он возвращается с работы. Он возвращается с работы. Il revient du bureau. Он возвращается с работы. Мы возвращаемся с экскурсии. Мы возвращаемся с экскурсии.
Nous revenons d'une excursion. Мы возвращаемся с экскурсии. Они возвращаются из отпуска. Ils reviennent des vacances. Они возвращаются из отпуска. Ils reviennent des vacances. Maintenant, le verbe «вернуться», qui est une forme perfective. Я вернусь домой в 7 часов вечера. Je reviendrai chez moi à 7 heures du soir. Я вернусь домой в 7 часов вечера. Мальчик вернулся из школы в 3 часа дня. Un garçon est revenu de l'école à 3 heures de l'après-midi. Мальчик вернулся из школы в 3 часа дня. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis d'встречи. À la prochaine.